début du XXe siècle, on constate les premiers signes de la présence d'une musique populaire brésilienne et identifiée comme brésilienne en France. Le premier genre qui arrive à Paris, surtout, c'est la machiche, qui est dansée ici dans les salons parisiens juste avant la Première Guerre mondiale. En France, on dit la machiche et pas le ou machiche. Il y a un genre qui change et on retrouve la même chose après avec ou samba qui va devenir la samba en France. Bon. Eu nasci em 30 de maio de 1938, na Policlínica de Botafogo, entendeu? Aí depois tinha um trio magnífico, eu e os dois irmãos, Maurício e Zinho. Aí nós fazíamos muitas galas mesmo, não era o xodó do Carlos Machado. Não, pior que eu não tocava cuíca, tocava isso aqui, tamborim. Eu e Mário Rato, nós ganhamos dois concursos de tamborim. Aí fui diretor da escola de samba, São Clemente, que era bloco, passou em 61, passou a escola de samba. Nega baiana, tabuleiro de pindim, todo dia ela está na igreja do Bonfim, e na ladeira tem, que capoeira, zum, 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 capoeira mata zum, 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 capoeira mata Bahia, Bahia. Pô, essa vai pegar, vai fogo, pô! Après la Première Guerre mondiale, porte un coup d'arrêt à tout ce phénomène de danse exotique et il réapparaît avec force au début des années 1920, c'est-à-dire au début de ces années folles, un moment de découverte de nombreuses musiques venues d'ailleurs. Et c'est à ce moment-là que commence une deuxième phase, on va dire, avec l'arrivée de la samba, grâce à la venue d'un groupe brésilien, les Batutas en français, ou Soito Batutas en portugais, donc, qui sont menés par Dong, Pixinguinha, et qui jouent à Paris presque pendant 6 mois. C'était perçu comme un rythme de noir, comme un rythme primitif, comme quelque chose de très, très différent de tout ce qui pouvait exister en France à l'époque. C'est un lieu de rapprochement des corps, où certaines choses sont permises qui ne sont pas permises dans la société française de l'époque. Um belo dia, o coreógrafo, o Juan Carlos Girard, falou assim, Zé Antônio, amanhã na Copacabana Palace, para ensaiar. Eu digo, sabe o quê? Não para ensaiar, aí eu fiz. Aí comecei, no teu cabelo não nega. Aí foi, ganhei o prêmio de ator revelação. Aí o Otelo disse, não, o Zé Antônio tem que ir. Aí trabalhávamos juntos. Fazia muitos espetáculos juntos com o Otelo. Ah, mas sim, na vila eu achava, pô. Eu ia na vila porque a gente apresentava muito capela, aquela maior roda de samba do capela. Partideiro pra caramba. Pôs na viola, entendeu? Pô, Monsueto, era gura, pô. Tava muito com o Monsueto, Aldacir Louro, Edivelto Martins. Também com esse pessoal todo. Mas tocando frigideira e tamborim. Batuque na cozinha, assim a não quer. Por causa do batuque eu queimei meu pé, eu queimei o meu pé. No fogo não teve mão curar. Et après la Deuxième Guerre mondiale, on a une grande, grande mode de la samba en France. On a une confusion à cette époque-là entre toutes les danses latines et tous les rythmes latino-américains. Le soleil s'en va, le soleil s'en vient, je t'offre mon bras, donne-moi le tien. Ferme la boutique, ne prenons soin que de la musique. L'expression qu'on voit le plus souvent dans les paroles des chansons de cette époque, c'est là-bas, 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 là-bas. Autrement dit, la samba, c'est là-bas, c'est l'espace rêvé, c'est l'espace où on se projette, où on peut projeter tous ses désirs qui rompt radicalement avec le « ici ». Et le « ici », on pourrait dire « ici », c'est Paris. Ça amène un peu de soleil sous le ciel gris et toute cette pluie. C'est comme si on prenait un avion et on va directement à Rio ou à Salvador, ou ça dépend. Je vais demander aux gens comment c'était. Comment c'était? Ah, c'était extraordinaire. Vraiment superbe soirée.
Viens nous dire des choses un peu sérieuses. C'est le partage, c'est l'énergie, c'est le soleil. C'est le soleil à Paris alors qu'il fait des cordes. C'est l'ambiance, l'énergie pour les filles aussi. La joie et l'amour. Voilà. J'adore ça. J'adore. Ça me touche beaucoup. En portugais ou français? En français. Un peu en portugais, un peu en français. Ah, c'est bon? Je ne sais même pas comment expliquer. C'est tellement extraordinaire de voir tous ces Français et Françaises qui sont là en train de bouger, crier, danser et chanter ma chanson, ma musique de chez moi. Je viens parce que, en fait, ça donne un peu de soleil dans cette grisaille. Em Portugal com o Hernani Filho, o Ari Barroso. Aí eu sempre viajando, Aí fui para a Rússia, na Rússia fomos para Israel, Tchecoslováquia, África do Sul, tudo. Angola, né, Moçambique. Eu recebi o convite para vir para Paris, em 77, pelo Via Brasil. Aí fiz a turnê da Europa número 1. O grupo foi formado com Jacaré, falecido em Pernambuco, Coati de Oliveira, Codó, baiano, né? Haroldo, Basílio e Nego Beto. Nunca quis botar mulher no grupo, graças a Deus. A gente fazia muita gala, fazia gala mesmo. No Via Brasil, fazia gala toda pro Via Brasil, sexta e sábado. Pô, naquela época a gente ganhava por mês, 6 mil francos. Só trabalhava sexta e sábado. Ei, coisa boa. Et dans toutes les traductions, je me suis rendu compte que dans la plupart des cas, il y avait une grande, grande distance entre le texte original et le texte traduit en français. Et un des exemples les plus célèbres, c'est Madureira Choro, qui est traduite en français par Si tu vas à Rio, vendue comme une samba et grand, grand succès de vente d'Ario Moreno. Essa música é uma homenagem a Zaqueu Jorge, é do Império Serrano, de lá de Madureira, entendeu? Foi uma atriz boa pra caramba de teatro, Zaqueu Jorge. Madureira chorou de dor, quando a voz do destino, obedecendo ao divino, a sua estrela chamou. Gente modesta, gente boa do subúrbio, que só comete distúrbio, se alguém lhe menos pesar. Aquela gente que mora na Zona Norte, até hoje chora a morte. Na estrela do lugar, calma lá. Agora, se tu vais a Rio, não tem nada a ver. Hein? A tradução não tem nada a ver. Duplo par de Montelao. Pô, Madureira, Império na favela. Hein? Se tu vais a Rio. Je pense qu'on a une nouvelle phase qui s'ouvre à partir des années 1960, qui se caractérise par à la fois un nouveau regard et une nouvelle manière d'écouter la musique brésilienne,
et aussi une diversification du répertoire brésilien qui est diffusé en France. D'abord la sortie du film Orfeo Negro de Marcel Camus, qui a eu la Palme d'Or à Cannes en 1959, et qui a une bande originale très très riche. C'est un film qui a vraiment beaucoup frappé les Français. Il a été un grand succès critique, mais surtout un grand succès public. Et ça a été, à mon avis, très important dans la diffusion d'une nouvelle forme de musique brésilienne. Aqui eu trabalhei na França muitos anos com o Baden Powell, com o Gipsy King. O Baden, eu conheci o Baden quando ele começou, que ele estava no Brasil Avenida, no Rio de Janeiro. Ele estava pelo fundo e na caixa de Guaraná, botava ele subia e tocava ali em pé, assim. Ele tocava em pé ali, entendeu? Eu gravei com ele nos dois discos, o famoso 31 e 78, e viajando sempre com ele. Era um cara que tinha um medo de avião, que se aspirava tudo. Passava ali agulha. Jesus de Sassi! Je crois qu'il faut quand même mentionner le rôle d'un certain nombre d'auteurs, compositeurs, interprètes, qui ont vraiment œuvré à promouvoir une nouvelle image du Brésil et de la musique brésilienne en France. Notamment Pierre Barou, qui a été un formidable passeur culturel entre les deux rives de l'Atlantique. Tout se passait à Saint-Germain-des-Prés, dans une petite rue, rue Saint-Benoît. Et un jour, j'étais en train de dîner avec un ami, dans un petit restaurant, on n'était que deux. Et j'avais tellement le Brésil dans la tête que je lui chante la toute première chanson brésilienne dont j'ai fait le texte en français. C'est une chanson que m'avait fait découvrir Sivuca, qui est « A Noite de Meu Bem » de Lourdes Durand. Et on était à table comme ça, et je lui chante « Ce soir... » Je veux trouver la rose la plus belle et la première étoile qui m'appelle pour mieux fêter la nuit de mon amour. Je chante. Et il y avait toute une famille à côté. C'était des Brésiliens. Ils écoutent, ils viennent me voir, ils me disent « Mais en 1959, comment vous pouvez connaître Dolores Durand et tout ça ?» Je dis « Écoutez, voilà. » Il dit « Écoutez, on est obligé de partir. » Parce qu'il y a des amis qui nous attendent à la maison, on habite tout près, la rue Sugère, venez nous rejoindre et tout ça. Une heure plus tard, je vais les rejoindre et il y avait Vinicius de Moraes et Baden Powell. C'est cette nuit-là que j'ai découvert la samba da Benção. Et quand Vinicius a écouté les paroles que j'ai faites sur la chanson de Dolores Durand, il a dit « Ah, j'aurais jamais imaginé qu'on puisse faire ça en français et tout ça ». Puis voilà, là, c'est né une amitié, quoi, cette nuit-là. Mais la vie, c'est incroyable. Pour moi, Pierre Barou est l'exemple type du passeur culturel et qui a aussi œuvré à faire des nouvelles versions de chansons brésiliennes qui soient beaucoup plus proches de l'original, beaucoup plus fidèles, en les interprétant sur scène, sur disque, mais aussi dans des films. Je pense notamment à Un homme et une femme. C'est une histoire qui est incroyable. Je ne sais pas comment on peut traduire ça, je crois beaucoup à la vertu des impondérables. Hein? Un homme et une femme, d'abord, c'est la première fois dans l'histoire du cinéma qu'on utilisait la chanson comme ça. Avant, il y avait des comédies musicales et des gens qui chantaient en situation dans les films. Jamais ces deux modes d'expression populaire, chanson et cinéma, s'étaient tressés comme ça, sans qu'aucun des deux ne perde leur identité, quoi, tu vois. Et si on a pu faire ça, c'est parce qu'on n'avait pas d'argent pour faire le film. Moi, j'ai rencontré Lelouch. On a fait un film avant ensemble, moi comme acteur. Et puis, il me raconte un jour une histoire. Ce n'était pas écrit.
Et je lui dis, écoute, je vais repartir au Brésil, mais si tu trouves l'argent, tu sauras toujours où me joindre. Comme je n'ai toujours pas de nouvelles de Lelouch, j'avais gagné un peu d'argent, je m'achète une vieille Jeep. Et à l'époque, maintenant, il y a un pont qui traverse la baie. À l'époque, non, il fallait prendre un bac. Et j'allais à Rio que le dimanche. Et un jour, télégramme de Lelouch. Rentre, on tourne. La dernière nuit, je la passe avec mes amis, et c'est cette nuit-là que j'ai écrit les paroles françaises de la Samba da Benção. On la chante toute la nuit. Mon avion partait à 14 heures. Je me retrouve chez Baden à 9 heures du matin. Je prends une douche, on l'enregistre sur un Revox, une prise, pour garder une trace de cette nuit-là. J'arrive à Paris, c'était Orly Sud à l'époque, et j'étais tellement bien que j'étais rentré à 4 ou 5 jours du début du tournage, où j'avais vraiment tiré sur l'élastique. Et Lelouch me dit, bon, t'es fatigué, je t'amène chez tes parents. Je dis, oui, mais je vais te faire écouter quelque chose. Je pensais pas à son film. A priori, ça avait rien à voir, la Samba da Benção avec son film. On passe par Europe 1, où j'avais des repères. Je lui fais écouter à 4 jours du début du tournage. Hein. Lelouch écoute et il dit, je change mon scénario, je la mets dans le film. Mais alors, il faut que je te montre ça, parce que ça, c'est incroyable. C'est mon frère qui était venu avec Lelouch me chercher à l'aéroport. Regarde. Ça, c'est Orly Sud. Ce que j'ai dans la main, c'est la Samba Sarava, enregistrée le matin même sur un Revox. Et ce qu'il y a d'incroyable, Pedro, c'est que la chanson qui est dans le film et dans le disque, c'est celle-là. Par exemple, j'ai vécu une semaine au Brésil sans jamais y avoir été. Pierre a tourné un film là-bas. À son retour, il m'a parlé de la Samba pendant une semaine. La Samba était entrée dans notre vie. La Samba était entrée dans votre vie. Oui. Être heureux, c'est plus ou moins ce qu'on cherche. J'aime rire, chanter. Et je n'empêche pas les gens qui sont bien d'être joyeux. Pourtant, s'il est une Samba, sans tristesse, c'est un vin qui ne donne pas l'ivresse. Un vin qui ne donne pas l'ivresse, non ce n'est pas la Samba que je veux. Faire une Samba sans tristesse, c'est aimer une femme qui ne serait que belle. Ce sont les propres paroles de Vinicius de Moraes, poète et diplomate, auteur de cette chanson. Il y a un document qui est très fort aussi, c'est le film que Pierre Varou a réalisé. Lui-même au Brésil à la fin des années 60, film dans lequel on voit apparaître toute une série de musiciens de brésiliens de premier plan. Quand je suis là, à Paris, era, aqui era batuta, là era de batuta. É uma questão de acentuação. Le soir, je réunis, on tournait en 16 mm à l'époque, je réunis l'ingénieur du son et le caméraman, et en toute humilité, je leur dis, les mecs, j'ai jamais fait de film, mais on commence à tourner demain, et je n'avais que 3 jours. Donc je fais un hold-up en 3 jours, avec la complicité totale, bon, t'as pu le voir, Baden qui m'amène Pichinguinha. Et tant d'autres, et tous ceux qui viennent, tous les nouveaux, il y en a beaucoup. Et do novo, Dori Caymmi, Chico Buarque de Holanda. Porque o samba nasceu lá na Bahia, e se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Ele é negro dans son cœur. Ele é negro demais no coração. Ele é negro, bien negro. Son cœur. Il est negro, bien negro dans son cœur. Il est negro d'image, nos corazons. Je suis allée au Brésil une première fois en 2007. Et là, j'ai découvert la musique brésilienne. Je ne connaissais pas du tout avant d'y aller la première fois. Et j'ai découvert cette énergie. Je crois que c'est tout un truc autour de l'énergie. Et quand je suis rentrée à Paris, c'est là que j'ai commencé à aller dans des sambas pour matar a saudade, comme ils disent. Et découvrir à Paris la musique brésilienne. Avec des Brésiliens, des groupes brésiliens, mais aussi, et c'était ça le plus étonnant, avec des groupes de Français qui aimaient la musique brésilienne. Ah, 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 ah.
Moi, j'ai vu ça et je suis devenu fou dingue. Du premier jour où je suis allé à la Roda, l'ambiance et le Cavaquinho, ça a été deux rencontres folles. L'ambiance de la Roda et le Cavaquinho, j'ai complètement craqué. Ça a été un choc total de voir tous ces gens autour de la table, ces percussions, ces harmonies. J'ai commencé à chercher des profs pour commencer à jouer du Cavaquinho. Et je suis allé dans une école de samba qui s'appelle Samba Academia. Et j'ai commencé à jouer du samba, du pagode, du samba enredo. Eu entrei em contato com o samba a primeira vez num bar de samba chamado Carioca da Gema, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. E desde então fiquei apaixonado. Dans roda de samba traditionnel, tu peux pas le trouver à Paris. Donc tu es obligé d'aller au Brésil le voir et le vivre pour savoir à quoi ça correspond. C'est pas possible de... Enfin, sinon, si tu fais quelque chose ici, tu crées quelque chose de différent. Pourquoi pas? Mais ça sera... Ouais. Pour vraiment voir à quoi ça ressemble, il faut aller là-bas. Et si j'y vais, c'est pour ça. De toute façon, j'y vais pas pour la bouffe, j'y vais pas pour le foot, j'y vais même pas pour les filles. J'y vais vraiment pour le samba. J'ai aussi rencontré une batouque dans la rue, je crois que c'était la fête de la musique à Paris, que j'avais suivi parce que ça m'avait... C'est que c'est très incroyable, je voulais jouer. J'ai commencé aussi, pareil, la batouque... La même batouque. Ouais, on était ensemble. Enfin, tous les deux, ouais. T'es venu après toi aussi t'as fait un passage, Véro. Ouais. Ils avaient comme ça, il y a des gros concerts, il y a des petits groupes de rue aussi qui viennent, et donc il y avait une batucada, et je me suis dit, ah, c'est ça que je veux faire, en fait. C'est-à-dire qu'après, j'ai intégré un groupe qui existait déjà, et voilà, par hasard, un jour. Il y a beaucoup de personnes qui ont commencé en faisant de la batucada, et moi, c'est ce que j'ai fait au début. Et je ne l'avais vraiment pas fait en pensant au Brésil, je l'avais plutôt fait en pensant à jouer avec des gens et rencontrer des gens et s'amuser. Et je pense qu'après, ces gens qui ont joué de la batucada et qui ont commencé à s'intéresser au roda de samba, elles ont ensuite créé des groupes de roda de samba qui se sont un peu éparpillés dans Paris. Mais là, tu chegas no Brasil, tem uma batucada em Paris. Que é uma batucada? Você batuca na mesa? A batucada pode ser muita coisa, não é? Aqui a batucada é uma etiqueta de um grupo de percussão, de tudo que tem em torno de uma batucada é completamente europeu. É reunião, toda semana um ensaio daquele jeito, do jeito que é uma associação, como as pessoas se vestem, os gestos, as pessoas podem tocar assim. Não sei, pra mim é tudo em volta, tem nada a ver com o Brasil. Tudo bem, você fala assim, ah, se você pegar a escola de samba, pegar a bateria, que é uma parte daquilo, esquece a aula dos compositores. A gente não pode esquecer, porque a gente é tudo aquilo, você não pode tirar. Mas fizeram isso, fizeram outra coisa e virou outra coisa. E eu achava isso muito interessante. E quando tu arrivais dans ce milieu-là, du coup, que j'ai découvert le samba, la batuque et tout, j'ai découvert qu'on avait aussi le droit de chanter, en fait. On pouvait chanter comme ça, tous voilà, autour d'une table, c'était hyper populaire, et tout le monde avait le droit de chanter. En France, c'est pas répandu du tout, ce truc-là, hein, de chanter spontanément, comme ça, tu te réunis avec des potes et on sort une guitare. Enfin, si, ça peut, au coup. Bah, ouais. Ah ouais, en fait. Ça fait plus mal au cours du feu, mais montes un groupe et tu vas chanter alors que t'es pas chanteur, quoi, c'est ça. Là, du coup, ça fait... Ouais, l'espèce de truc où c'est plus accessible alors que t'es pas musicien à la base, alors que t'es pas... Voilà, c'est ça. Eu peguei o cavaquinho e comecei a cantar um samba, tal, tal, tal. E todo mundo, todos os franceses, só tinha de brasileiro, cantavam esses sambas comigo. É tradição e o samba continua. Quem nunca viu? Só que não cantavam a letra. Com você... Ah, não pode ser. E eu fiquei encucado com isso. Falei, pô, todo mundo conhece todas as músicas. Besteto, besteto. Todo mundo cantando. Eu falei, pô. Aí eu não aguentei. Arrumei um bar no 18. E falei o seguinte, aqui é samba acústico. Instrumento, prum, vazio, cavaquinho, violão sete cordas, total, cinco músicos e a galera cantando, meus amigos. Semana seguinte, 20 pessoas. Né? Chegou uma hora que o bar tava lotadaço, todo mundo cantando acústico.
Só que é o seguinte, não tem 5 pandeiros, não tem 25 tamborins, porque quando você começa a tocar aqui na França, as pessoas não conseguem, não conhecem os códigos que existem já na nossa cultura, que é o código de como chegar num samba. As pessoas que tocam em batucadas e que não sabem esses códigos e que não conhecem, chegavam com pandeiro. Tava rolando pandeiro, tocava, eu fazia o bravo, o chato da história. Não. Guarda o teu pandeiro. Você vai tocar, vai chegar a sua hora. Aquele pandeiro ali, ó, vai passar na sua mão, pede pra ele. Eu ficava tentando explicar para as pessoas como que fazia para participar do nosso samba. Mas, cara, todo mundo vinha cantar. E aí começou a rolar um lance de o povo aprender as letras. De povo, tinha gente que vinha até com um livrinho e tal. Souvent, ce qui est bien, c'est juste la disposition que la rodage samba soit au milieu et que le public soit autour. Moi, c'est la disposition que je préfère. Donc, du coup, le public voit les musiciens et en même temps, il voit la personne qui est en face, qui est en train de danser. Donc, c'est ça, c'est de l'échange. Vibration, même, il y a beaucoup de gens qui viennent écouter la samba et qui ne sont pas souvent brésiliens ou bien qui ne sont pas des latinos, mais qui aiment écouter la samba parce qu'il y a une cadence. Il y a une cadence là-dedans. Pour moi, c'est la musique et c'est le partage. Parce que je suis aussi allée dans d'autres concerts au Brésil qui étaient pas qui pouvaient être de la samba, mais pour moi, qui n'en étaient pas vraiment, qui étaient de la samba sur scène, avec un public un peu élitiste. Alors que le samba, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est ouvert à tout le monde. Tout le monde s'attroupe et chante en même temps et ça fait quelque chose. C'est vraiment ce côté-là populaire de partage et d'ouvert à tout le monde, quelle que soit la catégorie sociale. E os brasileiros são muito acolhedores e muito fácil falar um com o outro. E no samba tem esse ambiente. Roda do Cavaco foi uma etapa que chegou naturalmente, foi porque o público estava pedindo, a gente estava querendo, mas aí a gente, sem querer, encontrou personagens legais. Eu, conversando com o Fernando e com outros amigos, a gente teve uma ideia de fazer uma roda de samba, mas nada comprometedora, uma coisa de a gente se encontrar no final de semana, porque era tipo, como se fosse uma religião pra gente, né? Eu tenho um amigo francês que veio uma vez e ele virou pra mim uma vez e falou assim: Patrícia, o que é isso? É uma seita? Chanter les paroles en même temps dans une espèce de communion, et c'était ça le plus magique. Souvent les gens qui viennent de l'extérieur, qui n'ont jamais vu le samba, ils sont surpris par ça, ça les touche même. Ils sont émus parce qu'ils voient d'un seul coup des personnes qui s'entendent. Parce que c'est magnifique, parce que c'est la joie de vivre, parce que c'est le Brésil, parce que c'est la fête, parce que c'est des super musiciens et parce que c'est la bonne ambiance. Voilà, Rodado Cavaco quoi. Aïe, Brasil! Le retrouvail de tout le monde, de cette ambiance chaleureuse, cette musique, etc. Eu não sei te dizer exatamente, explicar por A mais B o que é isso. Une espèce de plaisir de subversion personnelle, on va d'un seul coup s'éclater, sans d'ailleurs monter sur le bar, sans pisser sur le bar, on va s'éclater naturellement dans l'harmonie. Et ça, c'est quelque chose pour nous qui est, oui, un peu révolutionnaire, parce que les Français, on a une idée toujours assez rationnelle de la façon dont on va dérégler une situation, on va forcer la situation, on va la changer, la situation. Alors que là, au Brésil, la situation change de façon très naturelle, sans que personne ne force. C'est pas du tout rationnel, c'est pas du tout dans l'esprit. C'est juste une musique qui parle au corps et qui donne envie de danser, de chanter, de s'exprimer, de communier. Tout le monde profite, tout le monde s'éclate et tout le monde ensemble, il y a un vrai esprit de fête. On part vite dans une espèce de folie, oui, et encore une fois de joie qui n'a pas de limite.
Et je pense qu'il faut aller s'intéresser à la samba pour à se rapprocher à ce que c'est que vivre dans l'instant. Et on est ressorti surtout en disant on vient de voyager pendant 4 heures en fait. Voilà, c'est vraiment. C'est, voilà. Et t'es vraiment ailleurs, t'es plus à Paris, t'es dans un autre monde avec, voilà, avec des gens. En plus, tu te fais vraiment une idée de la culture brésilienne. Ah, c'est génial, tout le monde est merveilleux, tout le monde est super gentil. Moi, j'ai entendu. Non, je l'ai entendu. Moi, je suis pas une grande musicienne en fait. J'aime bien le groupe. Pour moi, le samba, c'était ça, c'était pouvoir accéder à la musique sans avoir appris à écrire la musique, sans avoir appris à faire des cours de chant, sans... Voilà. Pour moi, c'était ça. Une espèce de lâcher prise, en fait, sur eux. Et donc, ils se lâchent et c'est pas grave qu'on chante pas extrêmement juste et c'est pas grave qu'on soit pas un excellent musicien. Un truc pas prise de tête, quoi, voilà. Ouais. Vraiment... Essa aqui é a minha mulher favorita. Aquela ali é a minha amante. Tem quantos anos? Essa aqui tem mais de 80 anos. Que é do meu coroa, essa coisa. Sou quebra-mão. Eu sou quebra-mão. Sua onda é forte, mas não vai me derrubar. De jeito nenhum. Porque eu sou quebra-mão. Porque eu sou quebra-mão. Mas você disse que é onda forte. Acho bom aproveitar. Quando a maré tá cheia, você pode deitar e rolar. A lua quando fica nova, sinal que a maré é vazante. A onda na reviravolta, carrega o siri arrogante. Tem uma pressão? Tem uma pressão. Tem uma filtragem? Tem o filtro. Só que assim, aqui o filtro é completamente diferente do que ele seria no Brasil. Ah, tem uma francesa. Mas pô, ela tem um sotaque. É, sotaque? Então é ela que eu quero. Vem aqui, ó. Ó, sobe aqui no palco, vai cantar aqui, o grande sotaque, e ela vai cantar. De tanto levar, fechada do teu olhar. Porra, é isso? C'est à la fois dans la fête, mais aussi très intime. C'est très heureux, c'est très triste. Le mélange, la saoudage collective, cette façon de chanter des choses terriblement tristes dans une joie incroyable et de mélanger tout ça et d'être là avec les enfants et les parents à partager ce même moment. Ce lien que ça crée dans la société, c'est très puissant en fait. Je comprends pas du tout le portugais, je parle pas. Enfin, je le comprends très très peu, je parle pas du tout. Je suis jamais allé au Brésil. C'est vrai
vrai que moi, quand je suis allée au Brésil, j'ai vu beaucoup de Brésiliens qui chantaient de la musique brésilienne, mais j'ai jamais vu de Brésiliens qui chantaient de la chanson française. Quand on joue, souvent, quand il y a un Brésilien dans le public qui nous a jamais vus, il vient nous voir et fait « Você é brasileira ?» Non. « Oh, você toca pandeiro ?» Comme si c'était comme... si tu joues du pandeiro, tu dois être brésilien, c'est pas possible que tu sois français. On me prend tout le temps pour un Brésilien, oui. Et au Brésil, c'est très facile parce qu'il suffit que je dise que je suis d'une autre ville pour que ça passe. Si je suis à Rio, je dis que je suis de Belo Horizonte. Si je suis à Bahia, je dis que je suis de Rio. Et on me croit. Mais je peux jamais dire que je suis de la même ville parce que là ça ne marchera pas. Il y a beaucoup de gens qui me demandent si je suis de São Paulo. On essaie ? Ouais, tu la connais, les paroles ? Ouais, elle est pas. É muito difícil. Tem que combinar, il faut combiner le rythme, l'harmonie. C'est difficile à. Et également les codes, la façon d'aller. C'est vraiment quelque chose. Enfin, ce qui est bizarre peut-être pour vous, c'est que nous, il faut qu'on se concentre un peu pour qu'on arrive à le garder, le swing. Parce que tu peux avoir le swing au début, après tu le perds et après il revient. C'est pas facile. Mm. On s'aperçoit qu'au sourdo, bah ok, faut taper le temps, mais en fait, faut bien le taper. Et non, mais c'est vrai. Alors qu'on a l'impression que c'est facile, en fait, quoi. C'est. Do français dizendo assim: Comment allez-vous, mon ami? Cherchez l'argent, messier. La vérité, c'est fini la misère. Galera, tipo, ai, mas a sexta. Eu falei, esquece a sexta. Você não tá entendendo se a música é em maior ou menor. Ponto. Vamos entrar no vamos plugar, vamos tocar junto. Toca um ano aí, faz esse, depois a gente vai entender o que você toca. Ensina teu ouvido a escutar música, a vibrar a corda que vai vibrar o seu corpo, porque aí você pega a pessoa. Digo, pega a música, pega a pessoa. Aí você tipo, sente o negócio e fala, porra, mas isso é forte. É! Ça prend un peu de temps, mais ça vient quand même d'aborder la musique avec... moins de stress, d'angoisse sur quelle est sa position, quel est son niveau propre, est-ce qu'on est légitime pour jouer quelque chose ou pas. À un moment, on rencontre par ce milieu-là tellement de gens sympathiques qui vous invitent à jouer avec des gens qui sont bien meilleurs que vous, qui connaissent cette culture bien mieux que vous et qui prennent quand même du plaisir à jouer avec vous. Du coup, ça décomplexe d'une certaine manière. C'est intéressant de voir le français. É, tocar essa música, né, de uma maneira geral, tem outros que se especializam mesmo, vão aprofundo o repertório, tocam até coisas que a gente não costuma tocar. Je pense que au début on était sur un répertoire qui était très samba pagode, on va dire, et on essaie d'aller vers quelque chose de plus samba de raiz maintenant. Comme ton groupe, Grupo Butchiking, que j'avais vu à Paris, vous citiez souvent Batatinha, Batatinha, et moi je connaissais aucun sambis de Salvador, de Bahia. Donc je suis allée chercher, j'ai téléchargé des CD pour écouter, pour voir ce que c'était. Claro que nunca vai ser como uma roda de samba no Brasil, nunca vai ter o mesmo sotaque, mas tem gente, eu vejo músicos franceses aí que quebram tudo, que sabem, que se dedicam. Essas pessoas que tocam, que se tocam com o samba, é como entrar num poço, né? Tipo, assim, você vai chegar, você não vai pegar só... Você quer saber o que tem lá no fundo. Cartola, je dirais. Cartola. Paulina da Viola. Paulina da Viola, Cartola. Ça serait plutôt Martino da Viola. Attends, vous disiez Rocky Ferreira. Et gosto muito também de Candeia. Clara Nunes aussi. C'est Fundo do Quintal, je pense. C'est quoi? C'est Candeia, je crois. Et Zeca Pagodinho. Chico Buarque, Zeca Pagodinho et... Beth Carvalho. Eu gosto muito também do João Nogueira. João Nogueira, quand même. Paulinho da Viola, Martinho da Vila. Eu tenho alunos meus de cavaquinho
que dei aula 10 anos atrás aqui, franceses, que eu mostrava assim, oh, vamos tocar junto, não, imita aqui, não, deixa eu ver. Que eu pergunto para ele como que ele faz para tocar, ele não quer mostrar. Então, assim, existe, o que você está falando é uma verdade, existe esse segredo de não passar, que o brasileiro não tem muito medo disso, não. O cara vem, mostra o negócio e outra coisa. O cara fala, eu sei, não, peraí. Aí o mestre, peraí, senta aqui. Vou te mostrar um negócio, vou te mostrar outro. Não, mas eu já sei. Peraí. É uma troca ali. O professor, o mestre, com ele, vai indo a trocar generoso, dando, às vezes por dinheiro, às vezes não. Às vezes é uma questão de, eu gostei de você. O samba só é bom no momento que a gente compartilha ele. Tem uma canção que a gente diz, de sereno. Sereno da madrugada, onde é que está serena, minha amada de sereno? Sereno da madrugada, onde é que está serena, minha amada? Da janela do meu barraco, vejo a cidade movimentada, entre tanta gente que passa, só não vejo a minha amada de sereno. Sereno. Finalement, c'est vraiment une musique, alors qu'elle est très complexe, elle rend vraiment humble face à l'art et face aux autres aussi, humainement aussi. On se sent assez petit dans l'histoire et dans la musique, quand on commence à toucher un peu la musique brésilienne. Quand je joue la samba, la principale sensation, c'est la chair de poule. La chair de poule. C'est ça que je ressens, les cheveux qui se dressent comme ça. Voilà, c'est la sensation. Et le sourire qui vient après. Voilà. Le samba, c'est pas que de la musique, c'est vraiment une façon d'être aussi. Quelque chose de très spirituel, très mystique. C'est différentes expressions d'une seule et même chose. Donc ça nous touche forcément. On ne peut pas ne pas comprendre, en fait, le sentiment que... que ça dégage. Porque o samba é isso justamente que propõe. Isso é o samba. Isso é o samba. Oh, le bonheur fleuri, où l'on connaît d'avance les joies du paradis. Et quand on a la chance d'être de on est comme en vacances, entre la France et le Brésil, alors il y a d'autres peut-être, il y a le Japon, il y a tout ça, mais il y a quelque chose d'électrique, d'amour, de matière, de chair, moi je trouve. Hein. Cette histoire, elle ne concerne pas uniquement la samba, mais bien sûr la samba est au cœur de ces relations culturelles et de ces relations musicales entre le Brésil et la France. Não tem como falar do samba em Paris sem passar pelo Wilson. Ele abriu essa porta para todo mundo e ainda está fabricando música. Parece intacto, assim, você ouve. Parece que ele saiu do Rio de Janeiro semana passada. É o malandro, é o cara boa praça, é o cara que tem o samba na veia, que chega, sabe entrar e sabe sair. Peraí, seu Wilson, você é o mestre.
samba ioiô, ia ia. Quem não vai sambar na avenida? O samba é o tesouro maior que se deixa na vida aí. O samba é a liberdade sem sangue, sem guerra. Quem samba de boa vontade tem paz nessa terra. Oi, vem samba, vem samba, ia, ia. Vem samba, ioiô, ia, ia. Ioiô, vem samba, ia, ia. Vem samba, ia, vem samba, ia, 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 ia. Resolveu fazer esse concerto uma homenagem para um músico muito importante. E eu queria chamar aqui para o palco, com uma salva calorosa de palmas de vocês, Wilson da Cuica! Pega a frente, meu compadre! Outro malandro, carioca! Jacarelo Carvalho, meu compadre, chega à frente, salva de palmas! Aí o outro é... É isso mesmo, em sol mesmo? O sereno não. É em qual? Sereno, não dá. Mas tá em qual tom? Qual tá o tom do sereno, Pedro? É. Dá pra sereno não ficar... é sol maior, sol maior. Sol maior, maior. Então é sol mesmo, preto. O outro é dó, pô. O outro é dó, pô.